Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est bien ici qu'on se retrouve si on parle la belle langue de Molière et qu'on veut comprendre ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe. Heureux de vous retrouver de partout à travers le monde. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Venez me rejoindre aussi sur Patreon, j'en ai marre. Beaucoup, beaucoup de documents sur l'Égypte ancienne, sur les ovnis. Vous allez vraiment apprécier. Et d'autres sujets. Abonnez-vous aussi à mes deux autres chaînes dans la boîte de description sur YouTube. Vous allez vraiment aussi vous en régaler. Ceci étant dit, il y a eu un tremblement de terre majeur hier. Je vous avais dit qu'on reviendrait là-dessus. On va aller voir ça. Tremblement de terre. Hein? Qu'il y a aux Philippines. 5 morts. Imaginez-vous, 5 morts. Mais c'est préliminaire. Hein? À Mané, un séisme de magnitude 6.4 qui a frappé mercredi l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines. Il a fait 5 morts et des dizaines de blessés ont été indiqués les autorités locales. Le séisme qui s'est produit mercredi, peu après 19h30, heure locale, a détruit des dizaines de maisons. Jeudi après-midi, les autorités ont indiqué que 5 personnes avaient péri et que 53 autres avaient été blessées. Merci à Réjeanne, je pense qu'il m'a envoyé ce lien-là. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, j'en ai plein à vous partager. Donc restez là, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Tempête de grêle aussi, entre autres, au Zimbabwe, qu'on vient de me partager, et plein d'autres choses. 3 personnes ont été tuées par des glissements de terrain et une autre l'a été par l'effondrement d'un mur. Le 5e est décédé d'une attaque cardiaque, a indiqué le Conseil pour la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles. Les services locaux de sismologie, qui ont exclu le risque d'un tsunami, ont enregistré plus de 300 répliques depuis mercredi soir. Les Philippines sont situées exactement sur la ceinture de feu du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques, source de fréquentes activités sismiques et volcaniques. Donc, beaucoup, beaucoup, hein, de dégâts, hein, sûrement. Les rapports vont continuer à rentrer et sûrement que ce bilan va malheureusement s'alourdir. Je vous reviendrai avec d'autres infos là-dessus. Restez là, je vous parle de volcans qui sont en éruption au Tonga, volcans sous-marins, je pense, et plein d'autres choses.